Je vais te faire une confidence. Coucou toi, aujourd'hui je voudrais te parler de la créativité. Alors je viens d'expliquer une méthode pour booster sa créativité à une amie qui est auteur, écrivain. Et ça s'appelle la méthode des 6 chapeaux de Bono. Ça permet de développer, bon, en fonction de tout un processus, différentes idées. Et d'être sûr en fait d'avoir touché toutes les idées qui concernent un sujet, une problématique. J'ai vu dans les commentaires des personnes qui me disaient « Lucie, c'est cool ce que tu fais, c'est hyper structuré, ça nous aide. » Ah non, ou c'était aussi en séance qu'on m'a dit ça, que j'étais quelqu'un de très structuré. En fait, je vais te faire une confidence, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un de structuré. Je suis quelqu'un qui naturellement part dans tous les sens. J'ai trop d'idées, j'ai trop de concepts, je sais pas comment les exprimer. En fait, concrètement, le fait d'avoir trop d'idées, trop de concepts et de s'éparpiller un peu trop dans tous les sens, c'est quelque chose qui est très handicapant et qui m'empêche de réaliser des choses, de concrétiser mes projets et d'avancer, d'être productive. Donc du coup, j'ai cette tendance naturelle à me rapprocher des concepts structurant, méthodologique, pour pouvoir réussir à exprimer toutes les idées qu'il y a dans ma tête et qui n'arrivent pas à sortir. Et ça me permet de pouvoir m'appuyer sur des concepts et des structures et des schémas qui sont déjà exprimés par d'autres personnes. Et cette méthodologie, en fait, m'aide vraiment à me structurer moi-même et à me sentir plus efficace, plus productive. Donc au final, c'est pour ça que dans ma chaîne YouTube, que c'est pour ça que dans mes contenus, tu trouves en particulier des concepts structurants, des méthodologies, des tests de personnalité. En fait, tout ça, voilà, c'est des choses qui, à moi, me conviennent. Je vais les chercher parce qu'elles m'apportent cette structure. Et elles me permettent d'avancer, de mettre en place des stratégies de productivité et d'aboutir à, de réussir à utiliser ma créativité dans un but d'en obtenir quelque chose, d'une productivité, voilà. La créativité, c'est bien, mais la structure peut être un soutien à la créativité, en fait. Le fait d'avoir des cases à remplir, et ben ça me permet de ne plus me poser la question de quelle structure je dois mettre, et je me pose plutôt les questions de créativité, de qu'est-ce que je peux mettre dans ces cases. Et c'est dans la contrainte que j'arrive à trouver des solutions, c'est dans la contrainte que j'arrive à innover, trouver des nouvelles idées. Et quand je suis face à une page blanche, sans aucune contrainte, en fait, je me sens bloquée parce que je ne dois pas faire preuve d'astuce et d'ingéniosité pour résoudre un problème. Donc, ces méthodes, en fait, c'est un peu me mettre des contraintes, me poser des problèmes pour m'obliger à résoudre ensuite ces problèmes. Bon voilà, je te dis à très bientôt en direct de cette petite balade au cimetière du Père Lachaise, et je te fais des gros bisous, ciao ciao.